Quentin et la maman, bonjour. Bonjour. Vous êtes les responsables du groupe Accountable Alliance. Oui. Donc c'est un groupe de danse traditionnelle. Je vous ai demandé si vous voudriez bien vous prêter au jeu des questions-réponses, parce que ce que vous faites est très intéressant. Donc j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez quel type de danse est pratiqué par votre groupe essentiellement. Merci. Le groupe Accountable Alliance est un groupe traditionnel. Nous faisons dans le bous, le mengan, le mbatoa, le mokoum et dans le gol aussi. Donc en fait, ce sont ces diversités qui forment un bloc que nous avons appelé Accountable Alliance. D'accord. Oui. Ce que j'avais interrogé la dernière fois, les membres de votre groupe m'avaient expliqué qu'en fait,
ce n'est pas une question de village, une question de tribu. De tribu. En mm-hmm. fait, que c'est le talent qui vous réunit tous. On prend ceux qui sont bons, oui. au détriment de ceux qui sont forcément de la même famille ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, vous confirmez ça? Oui. Et oui. c'est qui avait défini tout le concept? C'est qui a eu l'idée de la création du groupe et quand? Une histoire un peu trop longue. Hein? Ah bon, hein? Oui, une histoire un peu trop longue. Bon, en fait, le groupe Akran Alliance est un groupe d'origine d'un grand groupe qu'on appelle Super Alliance. Oui. Donc, par nos petits problèmes de finances, nous avons eu l'initiative, ma grande sœur et moi, et d'autres personnes qui se sont jointes à nous, de créer un groupe. Donc, le groupe, c'était Super Alliance. Et nous, on a créé le nôtre que nous avons donné le nom d'Akan et Bel Alliance. En fait, pour ne pas avoir des problèmes, des différences entre Super Alliance et Akan Alliance, en fait, pour être un seul groupe, nous avons préféré garder le nom Alliance, qui est le diminutif Alliance, que nous formons tous en un mot. Et toutes les personnes qui sont dans le groupe sont des gens issus d'OIM ou bien des gens qui viennent d'autres villes? D'autres villes, oui. Les gens viennent d'où, par exemple? Il y a Bitam, Cameroun, Guinée. Ah, oui. Cameroun. Oui, parce qu'on a des Camerounais à l'intérieur, des Guinéens, mais plus Gabon, Estuaire, Walentem, provinces comme Mimboul, Bitam, Medoun, Oye, Mindi, toutes sortes quoi. Vous avez déjà participé à des festivals ou à des manifestations, des grandes manifestations officielles? Oui, des manifestations vraiment officielles, nous avons déjà assisté. Et telles que la fête des cultures, nous avons déjà assisté. La fête est quand? Qui s'est déroulée il y a de cela quelques semaines, quelques jours. Nous étions vraiment représentés là-bas, puisque nous tous n'étions pas là-bas présents. Mais la moitié du groupe était là-bas. On ne peut que compter que cela parce que nous sommes à notre cinquième année de création du groupe. Mais toi, Altino, tu es quelqu'un qui danse avec des artistes confirmés, des artistes bien connus au Gabon. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Tu travailles avec qui exactement? Ou tu as travaillé avec qui? Le palmarès, il est vraiment long. Hein? Ah bon? Il est vraiment long. Si je commence à compter, c'est vraiment trop long. Bon, en ce moment, j'ai plus d'artistes avec qui je roule. Je me focalise plus, je pèse plus tous mes moyens et je puise tous mes moyens dans le groupe. D'accord. En fait, nous avons une vision plus élargie. Nous voulons propulser le groupe un peu plus loin, avoir une vision de l'aigle que nous avons. Donc, au niveau des artistes, j'ai commencé avec le grand frère Gutenberg Assoum. J'étais avec Son Meda, le groupe Yinan Ben, Arnold Jourd, j'ai brossé un tour aux vibrations. C'est toute une liste, si je commence à raconter. En fait, tu es bien établi à Libreville. Oui. Mais comment est-ce qu'on t'a remarqué? Sur quels critères est-ce que tu as été remarqué? Est-ce que c'était à partir des vidéos que tu avais faites progressivement ou bien c'est passé par des amis communs ou bien la famille? Les deux vont de pair. Oui. Des amis communs et pas des prestations. Comme nous venons à peine de les faire là, un artiste vient, il trouve une prestation. Si il est remarqué par moi, si je suis remarqué par lui, autant pour moi, il me voit et on essaie de voir si ça peut aller. Ça a été comme ça. La maman, est-ce que toi tu as travaillé avec des artistes reconnus ou bien tu as joué un rôle plus modeste? Bon, artiste, bon, un peu. Quand on était avec l'autre, Elvira Linton, Nashford, le défunt Nashford, oui. Et à part les groupes traditionnels, oui. Vous vivez tous à Libreville ou bien certains sont établis ici à OIM? Certains sont ici, il y a d'autres, la plupart du groupe est basé à Libreville. Et là, ici, présentement, nous sommes dans une manifestation de retraite d'œil. Alors, quand vous retrouvez comme ça dans un retraite d'œil pendant les vacances, étant donné que certaines personnes de votre groupe sont ici et que d'autres sont à Libreville, en combien de temps est-ce que vous vous préparez comme ça pour être au top dans un retraite d'œil comme celui-là? Nous avons toute l'année scolaire. Hein. Nous avons toute l'année scolaire. Nos entraînements commencent à partir du mois d'avril. On commence à se préparer.
et on commence à préparer la saison. Donc ce qui fait en sorte que quand nous venons dans un retrait de deux, nous savons que le retrait de deux, un groupe est basé dans trois critères. Donc si les trois échouent, c'est que c'est tout le groupe qui a été échoué dans une prestation. Donc on essaie un peu de garder, si on ne peut pas garder les trois critères, on essaie de garder les deux. En fait, ce qui fait en sorte que ça soit un peu équilibré. Question que je pose souvent à beaucoup d'artistes qui sont dans le même registre que vous, donc dans le registre traditionnel. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que ce soit plus les jeunes qui s'adonnent à la musique et aux danses traditionnelles, alors que moi, par exemple, quand j'étais petit, c'était plus mes tantes, les grands-mères, enfin, les gens qui avaient un âge mûr qui pratiquaient ces danses-là. Comment expliquer que ce soit les jeunes aujourd'hui qui s'y adonnent vraiment? Est-ce que c'est parce que les jeunes manquent de divertissement ou bien c'est tout simplement une évolution des mentalités qui fait cela? Je veux dire que les jeunes manquent de divertissement, je dirais non. Je ne peux pas manquer de divertissement parce que s'il faille compter d'abord du taux de sport que nous avons déjà en ce moment, ça dépasse le nombre de sports qu'il y avait il y a de cela plus de 20 ans. Oui. Donc il y en a tellement de sports où les jeunes peuvent se divertir. Filles comme garçons, il y en a tellement de choses que des jeunes peuvent se divertir pendant des vacances. Bon, nous, Wallentais, moi, oui, plus focalisés dans OIM, nous avons vu que nous avons un patrimoine que nous avons acquis de nos aïeux. Il faut le garder parce que dans ma vision des choses, dans 10 ans ou 15 ans, sincèrement, vous dire que vous allez encore voir des jeunes sur le terrain parce que si notre génération l'a fini, ce sera vraiment tellement difficile de revoir des jeunes sur le terrain à faire cela. Nous voyons que la culture, elle prend déjà son... Elle prend déjà... Comment dirais-je? Elle s'éteint à petit feu de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Donc ce que nous voulons faire, ce que nos parents ont fait, ils ont su nous donner étant jeunes. Oui. Nous aussi, nous voulons aussi le retransmettre à d'autres petits qui sont intéressés par ça. Parce que nous voyons que la génération d'aujourd'hui, c'est une génération androïde. Ce qui signifie qu'au boulot, le tabac, cigarette, alcool et tout et consorts, si je cite toutes ces drogues-là. Donc, nous, on s'efforce à garder cette culture-là, qui est la nôtre, qui fait la fierté de l'homme et quand que nous sommes fonds. Et son identité aussi. Et son identité en un mot, j'allais dire. Et son identité. Donc, on essaie de préserver cela. Oui, parce qu'en fait, c'est clair que si la langue fan disparaît, que les danses, les coutumes et autres disparaissent, les fans seront simplement des êtres humains, mais sans identité, n'est-ce pas? Sans identité. Et si je comprends bien, ce processus est en train a déjà commencé parce que beaucoup de gens ignorent leur langue, beaucoup de gens ne parlent pas la langue fan. Moi, par exemple, je suis un exemple. Hein, j'ai grandi à Libreville, j'ai négligé toutes ces choses-là. Donc, on se retrouve aujourd'hui à être des handicapés culturels. Et donc si je comprends bien, en fait, ce processus est en cours et vous faites partie de ceux qui luttent pour préserver le patrimoine culturel. Effectivement, effectivement. Nous luttons vraiment fort possible pour ça, nous luttons vraiment. Et si on avait des grands qui nous soutenaient, ça allait être un peu plus mieux. Parce que nous voyons qu'à un moment donné, c'est l'ex-ministre, Paul Omba Abissoul qui a mené l'initiative d'organiser la fête des cultures. Bon, maintenant, depuis un bon bout de temps, nous voyons que ça n'a plus de l'ampleur, de l'engouement comme elle était. Donc, en un mois, elle est déjà disparue. Bon, nous, en tant que collectif des danses traditionnelles de YEM, nous avons eu cette idée
de vouloir créer aussi ce petit bloc où nous voulons créer le festival de danse ici à Ouyem, que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Parce que nous voyons que lorsque nous sommes à l'estuaire là-bas, parce que tout être gabonais vivant sur le sol gabonais se retrouve à l'estuaire qui est Libreville, qui est notre capitale. Lorsque nous sommes là-bas, nous n'avons pas vraiment assez de temps parce qu'il y a beaucoup qui sont dans leurs occupations professionnelles et beaucoup. Donc nous avons vu que la période d'août c'est la période des vacances et on veut organiser cela pour que nos petits qui sont ici ne soient pas perdus. Au moins pour une personne qui est à l'extérieur, quand il vient passer un peu de temps, écoute un peu le petit son du tambour, les sons des chants que nos mamans, nos papas nous ont appris, si nous avons encore la possibilité de les apprendre aux jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas que les retraits de deuil sont également un formidable tremplin? C'est vrai que là, il s'agit souvent... Le retrait de deuil est une manifestation familiale avant tout. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce soit aussi un événement qui permet, qui donne aux artistes un certain tremplin? Étant donné que c'est à cette occasion que beaucoup de gens font le déplacement de Libreville, on a parfois des personnalités éminentes, notamment des personnalités politiques, des gens qui ont de l'argent, etc., qui ont cette possibilité là aussi lors des retraits de deuil de découvrir les artistes. En fait, bon, pour faire court, est-ce que vous, selon vous, ces retraits de deuil ne vous propulsent pas également? Dirais-je propulser? Oui, ça nous propulse. Et en fait, il y a je pourrais dire nous avons vu que depuis un bon bout de temps les jeunes danseurs traditionnels que nous sommes sont chosifiés lorsqu'il y a plus de retraits de deuil. Dans des retraits de deuil, on prend des danseurs que nous sommes, comme des fumeurs de tabac, des buveurs de kobolo, des consommateurs de kobolo, autant pour moi. Des gens qui ne font rien, quoi. Des gens qui ne font rien, mais je vous assure que sur mon terrain là, sur 10 que nous sommes, on peut enlever peut-être une ou deux personnes qui n'ont pas le baccalauréat. Mm-hmm. C'est qu'une fois que tu as ton baccalauréat, tu as déjà presque, je peux dire que ton avenir est presque tracé déjà. Tu as déjà une vision de ce que tu veux faire de ta vie. Mais lorsque nous portons le raffia, nous sommes là, c'est pour garder notre identité culturelle. Donc c'est ce que nous voulons transmettre, ce que nous voulons aussi à nos papas qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas eu cette possibilité de le faire. Nous voulons transmettre à nos petits, à nos enfants, s'ils peuvent le faire demain ou après-demain. Mais pour certaines personnes, ils se disent que bon, ils ont consommé du vin, ce sont des fumeurs de tabac, ce sont des drogués, en un mot. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ces différentes questions. Je remercie également la maman qui vient de partir. Merci. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Je pense merci, que bon, le on a, plaisir oui, on a eu beaucoup de choses à se dire. Si on continuait, là, on allait passer des heures. Le plaisir est partagé. Merci encore. We'll be right back.
Thank you.